Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Eh, on pourrait... Ouais? Non, non. Bah si, attends, dis, dis, qu'est-ce qu'on pourrait quoi? Non, non, laisse tomber, c'était idiot. Ah ouais, ça, je te crois sur parole. Bon, évidemment, et toi? Toi, ton idée pour faire fortune? Vas-y. Bah j'en sais rien, t'as rien dit. Mais j'ai rien dit parce que toutes mes idées, tu les trouves mauvaises, alors forcément... Oh là 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 là, le langage de sourd avec toi, c'est quelque chose. Avec moi? C'est avec toi, ouais. T'entends hein? Jamais rien. Oh. Ah, ah si, ça, tu l'entends, ça. Bonjour les garçons. Salut Gérard. Salut. Bah honte, je t'en prie. De toute façon, je ne reste que deux secondes. Je vais vous apporter votre courrier. Ah. Sympa. Non, parce que j'ai croisé le facteur en montant. Mm-hmm. Alors je me suis dit, tiens, si je leur apportais le courrier. Comme ça, j'ai l'occasion de faire un petit coup. Eh bah t'as eu raison, t'as bien fait. Eh ben ça change pas. Facture. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Une lettre qui vient d'un notaire. Un notaire? Fais voir. Ah oui. Attends. Monsieur. Oh, bah ça alors? Hein? L'oncle Anatole, ouais. Il est mort. Il est mort? Ouais. Ah bon. Il y a deux semaines. Oui, Joseph, votre oncle Anatole, il a son âme. Qui est mort, ça c'est triste, ça c'est. Vous voulez peut-être que je fasse quelque chose? Vous pouvez peut-être vous asseoir un petit remontant. Gérard, c'est... Non, parce que c'est... Gérard, te fatigue pas. Hein. L'oncle Anatole, on le connaissait à peine. Hein. Ouais, t'inquiète pas. Tu sais, la dernière fois qu'on l'a vu, on portait encore des couches. Alors... Ah oui, effectivement. Enfin, c'est triste hein, de perdre comme ça quelqu'un. C'est bête de mourir. C'est... Ce qu'on devrait faire, c'est une prière, tous les trois, pour lui dire au revoir. Mais si... Puis comme ça, moi, j'en profiterai pour en faire une pour ma mamie. Non, attends, Gérard, c'est sympa, mais tu sais... Attends, Paul! On peut lui faire la prière, l'oncle Anatole. Et plutôt deux fois qu'une. Hein, pourquoi? Pourquoi? Tu me demandes pourquoi? Parce qu'on est ses héritiers, mon vieux. Nous, toi et moi, ses sales héritiers. Attends, tu veux dire qu'on est ses héritiers? C'est légataire universel? Ouais. Ses héritiers? Ouais. C'est exactement ce que je peux dire. Non, c'est pas vrai. C'est... Non. C'est rien. Attends, fais voir ça. Mais ouais, c'est écrit noir sur blanc, dis donc. On hérite. Mais de quoi? Mais il était riche, votre tonton Anatole. Enfin, il a son âme, bien sûr. Enfin, si je me souviens bien, il possédait des terres, des villas, des propriétés, des haras. Attends, moi, il faut que je m'assoie. Oh, moi aussi, parce que je me sens bizarre, hein. Oh, bah, moi aussi, ça, c'est une drôle. C'est une histoire tombée par terre, ça. C'est drôle, quand même. Non, mais dites, comme ça, les garçons vont vraiment faire un héritage. Ouais, c'est super, ça, hein. Oui, elle est carrément fantastique, cette histoire. Oui, on peut dire que dans leur malheur, c'est merveilleux ce qui leur arrive. Si vous aviez vu leur tête quand je les ai quittés, ils étaient en état de choc. Ils étaient cloués sur leur canapé, les yeux ronds comme des olives et la bouche grande ouverte. Le choc, quoi. C'est pas étonnant. Et tu sais de combien ils vont hériter? Ah non, ça j'ignore. Tout ce que je sais, c'est que le notaire les avertit qu'ils devenaient les légataires universels de leur oncle Anatole. Et à son âme, hein. Ah, c'est tout? Oh, ben, ça veut rien dire, hein. Ils vont peut-être juste hériter deux ou trois bricoles. Ah, c'est vrai ce qu'elle dit, hein. C'est dans le domaine du possible. Hein. Oh, bah, ça m'étonnerait. Parce que d'après les garçons, leur oncle Anatole, bien son âme, possédait de nombreuses terres, des haras, des yachts, des propriétés, un peu partout, hein. Ah oui, enfin, tu vois le tableau, quoi. Très, très, très bien. Oui, parfaitement bien. Ah, ben, vous voyez, les filles, ça prouve que j'ai du nez pour dénicher les bons partis. Les garçons étaient presque parfaits, il ne leur manquait que la fortune. Et bien maintenant, ils l'ont. Ben, si c'est pas ça, avoir du pif. Ça, c'est vrai, maman. Il faut admettre que t'es très douée. À croire que t'as un don de voyance, hein? Oui, ben, essayez de vous en souvenir quand vous ronchonnerez après une de mes interventions. Ah, je te promets, ma petite maman chérie, qu'on s'en souviendra en temps et en heure. Et en fait, Gérard, à propos de l'héritage, quand est-ce qu'on saura ce que c'est? Ah, ben, très vite, hein, cet après-midi, normalement. Oui. Cet après-midi, déjà? Oh, mais c'est génial! Moi, je suis drôlement impatiente. Hein. Ah, moi aussi. Vous vous rendez compte que Pierre et Paul vont peut-être devenir les deux garçons les plus riches au monde? Non, attendez, ne rêvons pas. Attendons de savoir quel est l'héritage. Monsieur Gérard! Oh, monsieur Gérard, mon ami! J'ai une affaire sublimissime à vous proposer! Sublimissime! De
sur un muret, c'est fou ça quand même. Mais je peux pas attendre, l'affaire que j'ai, il faut sauter dessus, ça ne peut pas attendre. Allez, monsieur Girard, allez, allez, ça ne peut pas. Écoutez ça. Il s'agit de miroirs. Des centaines de miroirs de toutes les tailles, de toutes les formes, monsieur Girard. Fantastique. De quoi donner à votre salle l'allure de la salle de répétition des étoiles de l'opéra de Vienne. Parce que... il pense à tout, Ramirez. Alors j'ai pensé, elle est petite, la salle de M. Girard. Elle est bien, mais elle est petite. Et on ne peut pas pousser les murs. Avec mes miroirs, c'est le palais des glaces reconstitué que je vous offre. Le palais des glaces. Eh ben, je me fiche du palais des glaces. Je me fiche de Versailles. Ici, c'est une salle de gym. Oui, mais petite, M. Girard. Petite. Vous savez ce que ça coûte de faire agrandir une salle comme ça? Une fortune! Une seule solution? Les miroirs de Ramirez! J'ai pas une autre solution. Parce que là, j'ai des amis qui vont devenir bientôt riches. Alors je me disais que si je me montrais gentil avec eux, ben, peut-être qu'ils m'achèteraient une nouvelle salle de gym. Une grande salle de gym. Une immense salle de gym. Une gigantesque salle de gym! Alors, vous pensez bien que vos petits miroirs... Je te l'avais dit, on n'aurait jamais dû accepter cet héritage. Comment ça, tu me l'avais dit, tu m'avais rien dit du tout, et au contraire, t'en bavais d'avance. Moi, j'en bavais. Ouais, parfaitement, tu t'imaginais déjà en richissime pacha, au bord d'une piscine de rêve, avec 25 top modèles à tes pieds. Je te connais, ouais. Non, mais toi, t'es gonflé de dire ça, hein? Quand t'as lu la lettre, t'as carrément sauté les plombs. Tes plombs ont sauté. Moi, même que t'as commencé à délirer sur le yacht que t'allais t'acheter, avec waterbeds dans chaque cabine, les filles qui allaient avec, et tout le tout team. Alors, question morale, hein. Tu repasseras, hein. D'accord, ça va, ok. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, en tout cas, hein? Ben, on n'a plus le choix, on peut plus revenir en arrière. On a accepté cet héritage, faut assurer, maintenant. Eh oui, on est bien obligé de s'en occuper, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh ben, ouais. Alors, les garçons, je tenais plus en place cet héritage. Ben, c'est ça. Oui, c'est un... Eh oui, un bourricot. Non, attention, parle pas comme ça du cheval, hein. Il aimerait pas ça. Qui ça, le cheval? Mais non, l'oncle Anatole, là-haut. Tu parles, on a le droit d'avoir un peu d'humour acide, nous aussi, hein. Il s'est pas gêné après ce qu'il nous a fait. Ouais, ça, tu l'as dit, ouais. Vous dites ça pour le cheval? Non, pour le codicille. Le codicille? Ouais, le cheval. Non, Pierre vient de nous dire que c'était... Non, Gérard, ce que je voulais dire, c'est que le codicille concerne le cheval. Ah, vous voulez dire que votre oncle Anatole, bien son âme, a fait un rajout à son testament qui concerne le cheval. Et quel rajout? C'est une condition d'enfer. Une condition d'enfer? Ah oui, alors il a fait rajouter que on aurait le droit de toucher l'héritage qu'à partir du moment où on rendrait Albert heureux. Albert? Qui c'est Albert? Albert, lui? Le cheval. Et qu'est-ce que vous allez faire? Ouais, c'est la question qu'on se pose. Ouais, là est bien la question. Eh ben moi j'en ai une autre de question. Hein, laquelle? Ça se voit à quoi quand un cheval est heureux? Un cheval? Ils ont hérité d'un cheval? C'est drôle. Gérard, tu dis que vraiment ils l'ont installé dans l'appartement? Ben oui, ils l'ont installé dans leur appartement. Voulais-tu qu'ils l'installent? Ils ont hérité d'un cheval, pas du prix qui va avec. Oh là là, c'est incroyable cette histoire. Et c'est tout ce qu'ils ont eu? Un cheval? Ben oui. Enfin, non. En fait, le cheval fait partie du codicille. Ah mais dis-moi Gérard, et... ce codicille, il est quoi exactement? Ah ben c'est simple, les garçons doivent rendre le cheval heureux, c'est tout. Non. Si. Ben si, parce que ce cheval, c'était le cheval préféré de l'oncle Anatole. Bien, son âme, Albert. Albert? Ben Albert, c'est le nom du cheval. Ah. Voilà, c'est ça. Mmh. Alors, l'oncle Anatole, bien, son âme, a promis à Albert qu'au moment de sa mort, eh ben, il ne serait jamais abandonné, qu'il serait heureux. Et pour se garantir de sa promesse, il l'a couché sur son testament, Albert. Résultat, les garçons hériteront de la fortune de l'oncle Anatole,
persona. Quand Albert sera heureux. Vous trouvez pas que l'histoire est jolie? Parce que faire tout ça pour son animal favori, moi je trouve ça plutôt émouvant. Ouais, émouvant, peut-être. Mais en attendant, il va falloir que les garçons se donnent du mal hein, pour l'avoir, cet héritage. C'est vrai, ça. Surtout que c'est pas facile de voir si Albert est heureux. Parce qu'un cheval, ça sourit pas. Hein. Puis ça hennit pas en disant « Youkou, youkou, je suis heureux hein. ». Non. Puis même si Albert remue la queue, bah, ça veut pas dire qu'il est forcément heureux. Non, parce... non, ça peut vouloir dire aussi que... il a envie... tu vois, une envie de... Ah bon, c'est pas évident, quoi, c'est ça que je veux dire. Gérard, remarque, à mon avis, pour rendre Albert heureux, ça doit pas être bien compliqué, hein. Suffit de bien s'en occuper, c'est tout. Tu sais, un cheval, tu le brosses, tu l'emmènes en balade, tu le nourris, c'est pas la peine de chercher midi à 14h. Hein. Bah oui, voyons. Karen a raison, petit Gérard. Doit pas être bien compliqué de rendre un cheval heureux. Mais oui, ma foi, faut bien le nourrir, hein. Il faut lui donner ce qu'il aime. Ça aime quoi, un cheval? Bah, vous le savez, vous? Oui. Moi, je sais! Et j'ai tout ce qu'il faut pour rendre un cheval heureux, monsieur Gérard! De l'avoine, du foin, du fourrage, de l'herbe fraîche cueillie du matin! Tout, 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 tout! Il en faut combien, monsieur Gérard? Bon, écoutez, monsieur Ramirez, ça va pas de la terminer comme ça dans une discussion, non? Mais qu'est-ce que vous voulez? Je sens toujours quand les gens sont en difficulté, monsieur Gérard. J'ai un huitième sens pour ça. Et là, vous y êtes, pas vrai? Et qui est-ce qui arrive? Monsieur Ramirez! Ramirez, c'est Zorro, en quelque sorte, hein? Gérard, ça se trouve, les garçons seraient très heureux d'avoir de quoi donner à manger à leur cheval. Ah, elle a raison. Si vraiment M. Ramirez peut leur procurer tout ça, à mon avis, faut pas hésiter sans 7 ans. Hein. Ah, ça, c'est vrai, ça leur rendrait certainement service. Vous croyez, fille? Ah, non seulement elles croient, mais elles en sont sûres, Gérard. Ah, bravo, les petites filles. Ah, ça, pour une fois, vous venez d'avoir une excellente idée. Oh, maman, tu trouves? Ben oui, Maillot. Les garçons ont besoin d'aide, c'est évident. Ils ne peuvent pas se débrouiller tout seuls pour exaucer le vœu de l'oncle Anatole. Ben, vous savez, à eux deux, ils auront peut-être une idée, hein? Non, je suis sûre que non, ma petite Sabine. Bon, les garçons ont besoin de nous. Alors, c'est dit, nous allons les aider. Maman, tu veux pas dire... Non, je sais ce que je fais, Karen. Je sais toujours ce que je fais. Hein. Parfait. Voilà une affaire qui roule. Madame Cindy. Alors, de l'herbe, du foin, de l'avoine... Il en faut combien? Eh ben, tu parles d'un boulot, hein, franchement. Et tu parles d'une odeur, et aussi on se croirait dans une ménagerie. Vu l'espace réduit, tu peux même parler de porcherie. Ben, ça va, Paul, zen, hein, restons zen. C'est vrai, quoi, cette histoire, elle va pas durer longtemps, et au bout, on risque de décrocher le gros lot, quand même. Attends, avant de parler de gros lot, je te rappelle qu'il faut rendre heureux Albert. Mais il est heureux, Albert, là. Hein, Albert? Ah, t'es heureux. Ah bon, parce que tu peux m'expliquer comment tu lis la lueur de bonheur qu'il y a dans son œil, là? Hein? Mais c'est pas là qu'on lit ça, c'est des choses qui se sentent, mon vieux. C'est une question d'onde, tu comprends? Moi, je le sens qu'il est heureux, là, Albert, je le sens. D'accord, bah si tu le dis, c'est que ça doit être vrai. Mais bien sûr, il faut avoir la foi, il faut penser positif, mon vieux, positif. Oui, mais excuse-moi, mais moi, quand je ramasse du crottin, j'arrive pas à penser positif. Fais un effort, souris. Albert, il a besoin de nous voir heureux pour être lui-même heureux. Eh ben, le sourire, c'est la même chose. Quand je ramasse du crottin, ça ne vient pas. Bien sûr, si t'as décidé d'y mettre que de la mauvaise volonté, alors... Hein? D'accord. Pose ton foin. Hein? Pose ton foin. Tu pourras dire s'il te plaît quand même. Pose ton foin. Prends ça. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'obéis. Pour rendre heureux Albert, je retrouve le sourire. Oui, mais... Alors, attends, tiens. Alors, ben... Oh, ben non, Ah, bonjour Cindy. Bonjour les garçons. On peut entrer? Faites. Merci. Allez, venez les filles. Oh, monsieur. Alors, quel bon vent vous amène? Eh bien, on vient voir votre nouvelle acquisition. Albert, le cheval. C'est Gérard qui nous en a parlé tout à l'heure, alors... Alors, c'est lui? Ben oui, c'est lui. Moi, je le trouve plutôt mignon. Hein. Oui, enfin, mignon. C'est bizarre, mais je le voyais pas du tout comme ça. Moi non plus. Hein. Mais bon, comme ça, à première vue, il a l'air très sympathique. Et un petit peu imposant dans l'appartement, non? On s'y fait, vous savez. Ah, ouais. Ouais, tout ça, c'est une question d'habitude. Hein. Oui, et de codicille.
Ah bon, parce que Gérard vous a parlé de ça aussi. Oui, oui, oui. Gérard est notre ami à tous, alors quand il a quelque chose à dire, il en parle. C'est pour aider, c'est tout. Mmh. Oh, de toute façon, c'est pas grave. Et puis entre nous, qui aurait pu croire qu'on ait un cheval ici et pour le plaisir? Ah oui, hein. Ça, à moins d'être loufoque. Ah bah, loufoque, pourtant, on l'est dans la famille. Hein. L'oncle Anatole, par exemple. Enfin, nous, on n'est pas complètement atteints encore. Bon, mais en attendant, les filles et moi vont décider de venir vous aider. Vous aider? À quoi faire? Bah, exaucer le vœu de l'oncle Anatole, pardi. Rendre Albert heureux. Et comment? Mais attends, je préfère le garder pour moi pour l'instant. Et en le voyant comme ça, ça y est, je l'ai, ma petite idée. Bon, allez, on y va, les filles. Oui, d'accord, mais on va où? Ben, venez, mais vous verrez. Allez, au revoir les garçons. À plus tard. Alors, merci, salut Albert. Au revoir. Voilà. Au revoir Albert. Le beau cheval. Eh ben, aidez-moi, voyons les filles. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, maman? Mais tirez, je sais pas, moi, vous voyez bien qu'elle avance au ralenti. Maman, je suis désolée, maman, mais moi, j'ai peur des chevaux. Non, j'y touche pas. Bah, t'as toujours peur de tout, toi. Bon, c'est pas un cheval, c'est une jument. C'est comme une petite sœur pour toi. Voilà. Et puis, de toute façon, qui a peur d'une jument, ça, je te le demande. C'est justement, il y en a, moi. En plus, je sens bien qu'elle m'aime pas. C'est vrai, Cindy, vous savez, moi, j'ai fait de l'équitation quelques années. Eh bien, les chevaux, ils ont leur tête, c'est comme les gens. Quand c'est une jument, c'est encore pire, surtout quand il s'agit d'une femme. Ah, tu vois, si Sabine le dit. De toute façon, avec toi, il y a toujours quelque chose qui cloche. Quand c'est pas avec une jument, c'est pour autre chose. Bon, allez, Stéphanie, tire. Oui, attends, j'essaye de tirer, hein. J'essaye vraiment de tirer, mais tu sais, je crois qu'il ira pas plus loin, maman. Si, il ira plus loin, parce qu'elle va entrer dans l'appartement des garçons. Maman, ma petite maman chérie, excuse-moi, mais t'es certaine que c'est une bonne idée, hein? Évidemment que c'est une bonne idée, puisque c'est la mienne. Enfin, on a quand même bien prévu d'aider les garçons. Oui. Eh ben, y a pas de mais. Sachez que moi, je tiens mes promesses. J'ai décidé de les aider, je les aide. Bon, allez, Claire, sonne. Sur la sonnette? Sur la sonnette? Ne me dis pas que t'as peur d'une sonnette, maintenant. Ah non, ça, j'ai pas peur des sonnettes. Qu'est-ce qui se passe? Les filles, mais c'est, je suis tout essoufflée, l'ascenseur était bloqué. Qu'est-ce que c'est? Ben, enfin, ça, c'est Gérard, c'est une jument. Une jument? Oui, c'est une idée de maman. Oui, imagine mon petit Gérard que maman veut l'offrir au garçon. Au garçon? Non, Gérard, pas exactement, au garçon. Non, Didinette. Didinette, c'est pour Albert. Didinette. Mais oui, Gérard. La jument. Ouh, ça va? Est-ce que je suis bête? Didinette pour Albert. Je lui offre une copine qu'on sorte. Voilà. Vous avez tout compris, mon petit Gérard. Tout à l'heure, en observant Albert, je me suis demandé ce qui pouvait bien égayer un cheval. Eh ben, j'ai trouvé l'amour. Mais toujours l'amour, mon petit Gérard, c'est une évidence. Alors, qu'est-ce qui peut rendre heureux un cheval? Eh bien, c'est une jument. Et en même temps, j'espère bien faire d'une pierre deux coups. Tu vas arrêter de dire des choses pareilles. Oh, ben voilà, si on peut plus plaisanter maintenant. Allez, Claire, sonne. Ah oui, sortons la sonnette. Oui? Eh ben, c'est coucou, ça. C'est nous! Surprise! Qu'est-ce que c'est que ça? Messieurs, le bonheur d'Albert est avancé. Pauvre Albert! Cela dit, il a eu une belle mort, non? Hein? Exactement. Et il a eu une fin en pleine extase, alors. Mais ça, on peut dire qu'il est mort heureux, même. Finalement, mon idée, elle n'était pas aussi mauvaise que ça. Seulement, j'ai mal estimé sa résistance à ce pauvre vieux. Non, mais c'est idiot, ça. Non, mais maman, tu pouvais pas savoir. C'est vrai ce qu'elle dit. Il paraissait pas si fatigué que ça, hein, ce pauvre Albert. Oui. À première vue, il paraissait même très fringant. C'est comme dans la vie, quoi. Il y a des hommes qui ont l'air d'en promettre et crac, à l'œuvre, il n'y a plus personne. Non, tu sais, c'est une belle mort que de mourir en faisant l'amour. Non, c'est vrai. Et dites les garçons, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Oh, bah alors ça, on n'en sait rien du tout. Hein. Parce que tu vois, il n'y a aucune clause dans le testament qui stipulait ce genre d'événement. Alors, enfin, on va pas tarder à le savoir parce que d'une minute à l'autre, ah bah ouais, il va arriver
L'exécuteur testamentaire. Ah bah très bien, tant mieux. En tout cas, nous sommes témoins, c'est grâce à vous qu'Albert est mort heureux. Bah, il faut en tenir compte, hein. C'est hyper important ça quand même. Ah oui, ça... Ça c'est vrai, ça, les garçons, hein. À mon avis, vous le méritez vraiment, hein, cet héritage. Absolument. Ah, oui. Moi aussi, je le pense, vous savez. Oui, en fait, on le pense toutes. Ah. On va être fixé, là. Ah. Bonjour, maître Pliant, je suppose. Oui, c'est moi. Bon, bah écoutez, nous vous attendions. Je vous en prie, entrez. Oui, entrez, monsieur. Attendez. Maître, par là. Asseyez-vous, je vous en prie. Ah, oh, c'est pas vrai, ça. Voilà, je vous en prie. Asseyez-vous, je vous présente un ami et des amis eux qui étaient là au moment du malheureux événement qui nous a tous frappés. Oh, c'est bien triste, mais il est mort heureux, Albert, vous savez. Ah oui, ça, je le confirme. On peut dire même qu'il nageait dans le bonheur. Hein. J'en suis conscient. De toute façon, sachant que son cheval prenait de l'âge, Monsieur Anatole avait prévu cette éventualité. Ah bon? Ah oui, tout à fait, oui. D'ailleurs, messieurs, j'ai une bonne nouvelle. Ah oui, oui, oui. Vous arrêtez. Hein? Non, c'est bien, je crois. C'est pas vrai. On hérite. On hérite. Et de quoi exactement? Ah bah, de quoi? Je vais vous le dire. Donnez-moi quelques secondes, j'ai plaisir. Eh bien, allez-y. Voilà. Bien. Messieurs. Voilà. Là. Je lègue à mes deux neveux, Paul et Pierre, une magnifique selle de cheval. C'est une antiquité achetée au Far West, ornée de filins d'argent et incrustée de turquoise. En remerciement de leurs bons soins apportés à mon cheval Albert, oncle Anatole. C'est... Ah oui, mais oh, mais attendez, mais elle est superbe. Ah oui, oui, oui. Alors, j'ai eu l'occasion de la voir. Oui. Ah bon? Oui. Ah mais c'est pas tout. Ah, oui. Non. Ah, il y a aussi la lettre écrite par votre oncle Anatole. Lui-même, hein, lui-même. Oui. À votre intention. Oui. Je vous la lis? Ah ben allez-y, oui. Allez-y. Voilà. Cher Pierre et cher Paul. Ainsi que vous venez de vous en apercevoir, cher neveu, je meurs ruiné. J'ai tout perdu pour une femme. Propriété, terre, haras. Mais je ne regrette rien. Il ne me restait qu'Albert et mon humour. C'est ce que je vous laisse donc en héritage. Et comme dit après tout un proverbe, à cheval donné, on ne regarde pas la bride. Oncle Anatole.